Et bonjour à tous, on se retrouve pour cette troisième partie de Pokémon Vanguard. On continue notre chemin tranquillement. On peut pas la voir partir d'ici la carte. Je sais plus. On peut la voir à partir de. Mais est-ce qu'on a vu une carte dans ce jeu même? Je suis plus sûr. Mais en tout cas, on est un peu dans le mal, donc j'espère qu'on va bientôt arriver à la ville suivante. Pour être honnête, je sais plus trop exactement où est-ce que. Vers quelle ville on se dirige. Mais en tout cas, on se dirige là-bas. Et tout va très bien se passer. On n'a plus trop de potions là. Ça commence à être compliqué. Bon, bonjour. Oh, dame, dididou. Un combat, tu perdras. Ok. Donc, je rappelle, on arrive dans cette région, la région de Eria. Je sais plus comment dire exactement. Et. Quand même, il fait mal. Et voilà, on a rencontré. On a été invité à l'Académie Vanguard. Nous, on s'est réveillé dans ce monde sans souvenir à part celui de notre prénom. On est bloqué niveau 12, Boreas. À part le souvenir de notre prénom, on essaie de retrouver notre trace. On a comment s'appelle Destiny qui nous a un peu. Ça fait quoi? On a notre ami Destiny. On passe type son, mais. Type son, c'est pas terrible apparemment. Ok. Non, mais là, il faut vite qu'on arrive. Au centre Pokémon le plus proche. Ça commence à être compliqué. Ah, mais non, mais je suis bête, j'ai une attaque feu. Je suis de type feu. Firecrackers, alors je suis pas sûr que ça va le mettre KO. Si. Enfin, surtout que j'ai plus de potion. Soit on va être mis KO et renvoyé au centre Pokémon le plus proche. Je sais pas. Soit on fait le chemin nous-mêmes. Ok. On va s'en sortir, j'en suis sûr. Lui, il gagne plus d'expérience, mais tant pis. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça, pourquoi en plus? J'étais sur l'attaque. Choc mental. J'étais dessus. Et je me suis totalement trompé. Aïe aïe aïe. On est sur vraiment un dresseur de base en plus. Nice grip. On devrait quand même gagner ce combat. Normalement. Si c'est le dernier Pokémon qui lui reste. Plutôt impressionnant, je suis sûr que tu pourras aller nulle part avec ce talent. Ah, pas sûr que je puisse aller nulle part, enfin partout. Ok. Eux, ils sont pas là pour nous combattre, ils sont là pour dire repose-toi. Repose-toi, mon ami. J'espère qu'ils sont là pour ça. On fuit tout le monde. J'aimerais tester leur parler pour être sûr, mais lui, il nous défie, c'est sûr. Au pire, on fait un combat et on est KO. Après, quoique, le gars de la Team Rocket, d'ailleurs, un gars de la Team Rocket, il a une quête. Il n'est pas là pour nous défoncer normalement pour nous combattre. Il a l'air d'avoir une quête. On peut aller lui parler. Je fais partie d'un gang de dresseurs appelé les boss de la route. Nous combattons les dresseurs les plus forts uniquement. Donc parle-moi si tu penses que tu es à la hauteur du défi. Ok. Ok. Je déteste les araignées, mais celui-là est mignon. Bon, franchement, c'est un peu peut-être de l'argent perdu. Mais je sais même plus où est la ville précédente. Smolive. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est lui. Ok. String Split. Ah, après, il y a moyen. Ça se trouve, Borealis, il va être incroyable. Regarde, la moitié. Et il fait tomber la vitesse, enfin, il fait baisser la vitesse. Donc, déjà, un de fait. Oh, Borealis, c'est peut-être le boss. Hein. Stuffle. Electro Web. Ouais, ça va être quand même un peu compliqué. Ah, presque la moitié. Et on baisse l'attaque en plus. Enfin, on baisse la vitesse. Peut-être qu'il nous refait un gros yeux. Payback, ça va faire mal, non? Mais on gagne quand même. Donc on prend l'expérience. Alors après, c'est juste qu'il faudra le refaire.
dresseur. Et Dwebble. Oh, il est drôle comme ça. Il est très drôle. Je l'aime bien. Alors, franchement, il fait la moitié. Je vais peut-être le soigner. Non, peut-être même pas besoin. Oh là là, Borealis. Oh là là, il est trop fort. Incroyable. Vous avez eu, comme on dit, une masterclass. Ouais, oui, you are too strong. C'est Borealis qui est trop fort. Moi, je n'ai rien fait. Et on arrive peut-être un jour à la prochaine vie. Min Revive. Alors, j'ai pas vérifié ce qu'il faisait exactement. C'est Min Revive. J'imagine qu'il rappelle avec un tout petit peu de PV. Très bien, on va pas utiliser maintenant. On va pas utiliser du tout maintenant. Ok, on était dans une grotte. Route 2. L'entrée de la caverne a été couverte par des arbres il y a seulement quelques années. Enfin, a été entourée d'arbres. Maintenant, c'est notre attraction la plus touristique. Est-ce qu'on peut l'éviter, la cousine? Ouais. Ok. On peut éviter. Allez, un nouveau Pokémon, peut-être? Non. Alors, je l'avais bien aimé, lui aussi. Je crois que je l'avais pris dans Pokémon Écarlate et Violette. Je le trouve sympa. Mais je suis pas sûr de le vouloir dans cette aventure. Hillbola, je pourrais attraper un nouveau Pokémon au moins pour... Oh! Oh! Oui, les voyages peuvent être très longs, effectivement. Ils peuvent être très très longs. Merci madame. Ah, c'est bon. On continue quand même un peu plus serein. Alors ça veut peut-être dire aussi que elle n'est pas prête d'être terminée la route. On va mettre Borealis devant. Il a prouvé qu'il était capable de grandes choses. J'ai hâte de le voir évoluer. Je pense qu'il peut être un Pokémon vraiment pas si mal. Une académie pour étudiants qui s'en fiche. Tu vas perdre. Ok, merci les encouragements. Zigzagoon. Oh, il est fait acier. Donc vraiment pas le bon Pokémon. Ils ont tous trois Pokémon, leur adversaire, c'est dommage. Le fait acier, je sais pas si. Ah si, bah. Si ça existait, il y a comment il s'appelle ? Celui de Écarlate et Violette, comme une sorte de poupée en quelque sorte, rose, qui a une massue. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je crois qu'il est type. Il me semble qu'il est type. Comment acier fait, un truc comme ça. Ok, et on le termine. Alors il faut que j'entraîne les volis, mais c'est pas facile. Soit bleu. Alors on va mettre comme ça. Après, ah mais c'est... Oh, dragon. Il est trop bien, je l'aime beaucoup. Est-ce que le type son est fort contre électrique ou dragon? Pas du tout. Alors, je pense qu'il est faible. Il est faible surtout face à l'électricité. Il doit y avoir un truc avec le son, l'électricité, je sais pas trop. Mais je pense que c'est quelque chose comme ça. Fairy Wind. Ouais, ah, ça ne mettra pas KO. On résiste pas du tout. Et on laisse Borealis pour la fin, évidemment. On garde le meilleur. On garde le meilleur pour la fin. Il a une tête de Pikachu, vite fait, non? Il y a un truc de Pikachu, les oreilles avec la pointe noire. Les joues rouges, les petits ronds rouges sur les joues rouges. Il y a définitivement quelque chose. Bide, oh là là, on va avoir le temps de terminer. Non. On va quand même se prendre des bons dégâts. Survie. Ah, j'aurais pas eu le temps de mettre KO. Et il m'aurait fait très mal. C'est fait. On va vite retourner se soigner. Parce que là, ça nous a fait mal ce combat. Borealis qui est toujours là, bien sûr. Mais quand même, ça nous a fait mal. On a toujours Elgafar qui est en retard sur le niveau. Oh, acier fait. On a lui qui est fait feu, lui qui sera je sais pas quoi. Insecte électrique et acier poison. Maintenant, on a deux types qu'on a déjà alors.
Donc non. Après, je pense qu'on pouvait l'attraper. Quand parfois ils nous les mettent là, de cette manière en balade dans le dans la zone où on se trouve. Oh, dragon électrique. Franchement, je le trouve joli. Hein. Là, c'est vrai qu'on a déjà un Pokémon électrique, mais il est sympa, non? Ça peut nous faire un type dragon éventuellement. On va essayer de. Oh. On va peut-être pas le paralyser. On verra. On prend les deux et je m'interdis rien. C'est vrai que je voulais quand même taper des doubles types différents. Mais en attendant, on a que 4 Pokémon. Donc il a totalement sa place, lui. Puis on va quand même préparer la liste des étoiles. On pourra lui donner son nom juste après. Voilà, les Google, s'il te plaît. Et. Pas étoile Michelin. Oh non. Ils sont bêtes. On va t'appeler. Eh ben alors. Ah non, mais ça c'est une constellation. Voilà, des étoiles et des planètes. Pas du tout préparé le type quand même. Et. Ah bah Sirius. C'est bien ça, Sirius. Et on est dans la constellation de du grand chien. Sirius, je sais pas, pose des questions. Je sais pas. Plus défense, moins vitesse, n'importe quoi. Moi, j'ai même pas vu ce que j'ai choisi. Ah, j'ai choisi normal. Je perds totalement mes moyens. Alors par contre, les Pokémon sauvages. Oh! Poison fée. Poison fée. Ouais, on n'a pas de type poison. Vas-y. On va voir après, il est niveau 7. Hein. Ça, c'est un peu dommage. Alors, ok, bon, on va quand même le prendre. Police, on va l'appeler. Non, Pollux. Elle est connue, celle-là, Pollux. Allez, Pidove, viens là. On remplit un peu notre Pokédex. Et puis, de toute façon, là, quand tous les autres sont niveau 12, je serais bien obligé de. Ah, lui, eux, ils peuvent quand même encore prendre de l'expérience. Il y a une couleur, par contre. Sur le petit design, ils ont pris le même et ils ont mis un peu en violet. Sur le grand design, c'est bien. Franchement, j'en sais rien. J'ai pris au hasard. Je sais pas ce qui est mieux pour lui de toute façon. Ah non, si tu me montrais encore un nouveau Pokémon qu'il fallait que j'attrape, eh bien, je l'aurais attrapé sûrement. Mais quand même. Pas là pour attraper des Pokémon. Et si, un petit peu quand même. Ok, donc là, c'est ce qu'on voyait de loin. Tout doucement. Ah, j'ai l'impression que si je parlais, je pouvais le faire apparaître. Ouais, niveau 8. Pas trop ce qu'ils valent. Après, ils sont tout blessés là pour l'instant. Bonjour. Et on l'évite. Franchement, je les évite un peu plus que dans Pokémon Z. Parce que les combats sont un petit peu plus longs et on est. Ah, mais c'est pas possible. Il y a encore une nouvelle route. Je peux pas le croire. Ah, les combats sont plus longs. On est moins fort quand même. Non, on va retourner en arrière. J'ai l'impression qu'il y avait un autre chemin au-dessus. Je suis parti à fond en bas, mais il y avait un autre chemin au-delà. Ou pas. Là, par là-bas, non. On est tout à droite. Bah voilà, on pouvait continuer par là. Alors là, il veut nous, sûrement nous donner une quête. Ok, non, on allait forcément à la route 3. Je fais de la recherche de terrain. J'essaie d'avoir des données sur les Pokémon rares de cette route. Mais... Quel Pokémon soit Blue. Eh ben oui. Eh oui, on l'a. Electric Gem. Dragon Gem. Ah oui, la gemme qui correspond aux deux types. Deux super potions. Ah, oh, c'est bien. Et deux points de dresseur. Mais ça, j'ai toujours pas saisi comment ça se passait.
Bon, je vais aller soigner. Alors, je vais vous montrer cette forme de Hopip, assez casse-pied quand même, parce qu'elle me fait des pain splits depuis tout à l'heure, mais assez stylé. Franchement, avec les ailes comme ça, il est incroyable. Et voilà, je vais faire un peu des dresseurs. Bon, lui, on le termine, parce qu'on va, normalement, on va le battre. Mais je fais les dresseurs et les allers-retours pour se soigner. Arrêtez de les montrer, parce qu'on est quand même à 15 minutes, on est toujours dans la même route, on a l'air d'aller sur une autre route, route 23. Pour l'instant, c'est un peu dommage, je trouve. On est sur un jeu qui a l'air quand même incroyable, mais le temps passé sur les routes... Mince, je suis même pas allé dans la bonne direction. La route 3, on n'avait peut-être pas besoin d'y aller maintenant, alors. Attends, Destiny, notre cher ami... Ah, te voilà. Cette fille, Rilas, elle est forte. Est-ce que tu vas bien? Ah, je vais bien. J'ai gagné mon combat, je me suis soigné, maintenant je suis là. Oh, ok. Je crois que l'académie est juste devant. Pas si vite. Je t'ai regardé combattre ses sbires et maintenant Rilas. Je vais voir si je peux te battre. Allez, tiens-toi prêt. Ah ouais, mais si je suis pas soigné, c'est un peu complexe. Bah oui, je suis pas soigné. Ils sont tous un peu nuls en plus. Oh, c'est quoi ça? Ces types sont... Ben... Mudslap. Après, je sais pas ce que ça fait, le type son. Super efficace, ok. Type son sur normal, c'est normal. Est-ce qu'il peut louper même cette attaque Echo Cross? Peut-être qu'il peut pas. Ah, ça va être de plus en plus fort. Ouais, on est un peu dans le mal. Et elle, là, qui nous prend par surprise. Bien, on a réussi à le terminer. Sharkaday, c'est quoi ça? Ah, type feu, alors on va y voir. Dommage. Ah, dommage, on n'a pas eu le temps de mettre notre truc poison au moins. Bah, eux, forcément, ils sont fatigués. Non, mais on est obligé de perdre le combat là, je vois pas comment on pourrait gagner. Ah, il a pas son truc de dos. Dommage. Et on les envoie tous, hein, en sacrifice. On reviendra avec une équipe un peu meilleure. C'est vrai qu'on n'a rien pour battre le feu, non? On n'a pas d'eau, de sol, de roche. On n'a pas ces trucs-là. Hein. Un peu bête, un peu dommage. On a ni eau, ni sol, ni roche. C'est terrible. Allez, Cutifly, t'es peut-être notre dernier espoir, en vrai. On va tenter le Work Up. Ember. Ça va, on va en faire deux de Work Up. Peut-être qu'il pourra terminer tout. Après, je le laisse se faire attaquer en vrai. J'en mets plusieurs, j'en mets plein. Oh la saleté! Oh la saleté! Ah oh, bah là, je me suis bien fait avoir. Bon. Là, on va retourner où en plus? On va retourner où? Centre Pokémon, je crois que. Ici? Bizarre, en plus on a toujours l'écran qui est un peu coupé. On a été soigné. Alors on va tout de suite mettre lui en premier Pokémon ensuite. Après, c'est ma faute si notre équipe est nulle. Ah, si mon équipe est nulle, je ne les ai pas vraiment entraînés. Oh, Watrell. Mais si, il existe, non? C'est pas un Pokémon inventé. Je sais plus. Ok, elle, je l'ai vu. En tout cas. Ouais, il faudrait que je les entraîne. Après, maintenant, on a 6 Pokémon. Ah oui, c'est sûr qu'elle n'est pas définitive, cette équipe. C'est sûr, 100%. Bon, allez, je retourne là où il y avait Destiny. Voilà, on y est presque. Ah bah, elle nous attend. Ah. Et pourquoi cette fille bloque la cave? Attends! Oula. Les petites actions un peu bizarres. Bon. On va arriver juste après à la ville de l'académie. Ça sera cool d'enfin arriver dans cet endroit. Elle en a combien de Pokémon? Elle en a 4. Ok. Lui, ça a l'air d'être descendu vachement vite tout à l'heure. Il y a moyen que le type son craigne le type psy. Ah, c'est pas KO du coup. C'est pas grave. Parce que justement, ça ne fait pas grand chose. Il gagne 1 point d'expérience. Sharkaday. En vrai, Sharkaday. On va mettre Borealis. Alors, on craint le feu, c'est vrai. Mais je veux le... Je veux le faire devenir plus lent.
sais pas si un électroweb, il fait mal. Mais Borealis, il fait mal, mon sang. Super. Hein. Et ouais, ah, dommage. J'allais dire qu'il était dans le... Il est bête. Dire qu'il était dans le orange. Borealis, trop fort. Il est insecte et il bat des Pokémon feu tranquillement. Corsola, alors c'est probablement pas le Corsola qu'on connaît, je dirais. On va lancer Pollux devant. Corsola, normalement, c'est Corailon. Et on avait totalement le ordinaire. On aura quoi ? On va le battre. Un radio électrique. Oh, est-ce qu'on peut l'empoisonner ? Ouais, on aura du électrique, donc c'est bon. C'est très peu faible. Enfin, très peu efficace. Je sais pas si ça sert à quelque chose. On va continuer au cas où. Ok, et on va utiliser une super potion sur notre cher préféré. Vraiment mon préféré de l'équipe pour l'instant. Borealis. Il devrait s'en occuper assez tranquillement, je pense. À moins qu'il nous met une grosse attaque. Ouais, non, ça va. Si vous avez mis une grosse attaque roche, peut-être que ça aurait été compliqué, mais finalement ça va. Et à chaque fois, ça va, il est pas assez lent pour être quand même plus lent après la baisse de vitesse adverse. Eevee, on va laisser. On va laisser. String Speed. Ah, heureusement que j'ai pas fait attaque électrique. Allez. On va continuer comme ça. Bon là il gagnera peut-être pas le combat, mais il va baisser au moins une fois la vitesse. Et il reste plus lent. Ah parce qu'il nous avait nous aussi baissé la vitesse. C'est pour ça. Ah, ok. Sirius. Sirius. Thundershock. Ça fait quoi comme dégâts? Ah bah oui il est type vol. Bah oui je suis bête. Il est type sol je veux dire. J'ai pu penser, alors on est encore plus lent. Ah non, on est plus rapide. Ah bah j'ai rien compris là. Oh, il a une baie orange. On a du mal à lui faire beaucoup de dégâts. Alors après, on met des Pokémon niveau 8. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un gros entraînement quand même avant le prochain épisode. Ah, il est type sol. On peut faire un Fury Wound, c'est très bien. Ouais, c'est très bien, c'est pas énormément de dégâts. Est-ce que ça me mettra KO au prochain? Pas sûr du tout. Pas sûr du tout du tout. Ah c'est bon. Et c'est bon non? Je crois que c'était le dernier. Il me semble. Ah tellement drôle. Je crois que... Je me suis trompé de premier Pokémon mais ça va. Je vais m'entraîner plus dur et bientôt on se rencontrera sur les terrains. J'attends ça avec impatience. Ok... Il n'avait pas l'air hyper content, je sais pas ce qui... pourquoi il a réagi comme ça, notre perso. Alors, juste voir, là-bas... Ah, oh, c'était pour rien. Alors, peut-être pas pour rien. Peut-être qu'il y a une zone intéressante à laquelle on peut accéder avec ça. En tout cas, ça sert à rien pour l'instant. Ok. Bonjour. Allez, on y va. Et peut-être à droite. Ok, Vanguard Academy, c'est carrément la zone. C'est même pas dans une ville. Il y avait un petit jardin ici, mais des stupides Pokémon plantes l'ont détruit. Ok, certes d'être le paradis du combat. En tout cas, être deux terrains, c'est beaucoup. Hein. Allez, cogne-le, Arbok. Ces garçons ont perdu leur premier match de promotion. Donc maintenant, ce qu'ils peuvent faire, c'est seulement combattre ici. Donne tout, Scolipède. Ok, belle académie en tout cas, c'est assez joli. Qu'est-ce qu'elle dit, Destiny? Saumon! Est-ce que tu peux le croire? On y est enfin! Saumon et Destiny? Oui, oui, c'est nous! Super, Kiss m'a déjà parlé de vous deux. Mon nom est Clarity et je serai votre chef de maison. Un chef de maison? Laissez-moi vous expliquer. Vous serez placé dans une maison, des dortoirs, je devrais dire, avec d'autres étudiants dresseurs comme vous. Et en fait, je m'occuperai de vos tâches, de vos affectations, de vos promotions, tout ça. Ok, très bien. Bien, commençons la visite. Bibliothèque. Salle de détente.
Dresseur, bienvenue à l'Académie Vanguard. À gauche, nous avons notre bibliothèque où vous pourrez trouver toutes sortes d'informations à propos des Pokémon et de notre région. Et à notre droite, vous avez le centre de dresseurs, où la plupart de nos étudiants font leur travail. Et j'aimerais vous les montrer maintenant, mais on a un programme un peu serré. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le truc, c'est que vous vous êtes montré un jour plus tard que les autres étudiants. Bon, peu importe, suivez-moi à l'étage jusqu'à votre chambre. Ah oui, c'était pas inquiété plus que ça, ils ont pas envoyé des gens. Très bien, nous y sommes. Voici la maison F, c'est là où vous resterez. Je vais partir pour la nuit, mais vous deux, vous devriez rencontrer vos colocataires et vous installer, hein, mettre vos affaires pour l'instant. Ne restez pas éveillés trop tard, j'aurai besoin de vous frais, tout, voilà, bien frais demain et très tôt. À 5, à nouveau 5, ah oui, ok, il y a d'autres gens. Ah, j'ai failli oublier. Dans vos dortoirs, je vous ai tous les deux laissé une boîte d'équipement, de choses dont vous aurez besoin pour commencer votre carrière de dresseur étudiant. Ah, merci alors. Très bien, Saumon, derrière ces portes commence notre nouvelle vie incroyable. J'ai trop hâte de voir quel type de gens sont nos colocataires. Je crois que tu devrais y aller en premier. Ok. Et bonjour tout le monde, nous sommes là. Ah, espèce d'idiot, sourd, je vais te répéter encore. Oh purée. On a des champions. Hé, qu'est-ce qui se passe? Sérieusement, mec, c'est quoi ton problème? Mon problème, c'est que tu ne sais pas comment la langue anglaise fonctionne. C'est Zek, pas Zekei. Ouais. Le letter, bon, ça, je trouve que ça va mieux comme ça. Est-ce que vous pouvez arrêter de crier pendant une seconde? Mais tais-toi, espèce de geek, tout le monde se fiche de ce que tu dis. Nous avons des invités, j'imagine, vous voulez dire. Je vais te donner encore une chance de t'excuser. Non, c'est toi qui as commencé. Est-ce que quelqu'un peut arrêter ça? Et voici, j'y vais. Ah, la musique. Ok, c'est la grosse fête. Son feu. Alors, on va empoisonner ça. On empoisonne ces Pokémon. Ah, est-ce qu'on peut survivre? Dommage. Il nous faut un Pokémon haut. On n'a pas été... Ouais, mais je pense que si on perd, c'est pas grave. Je pense que c'est pas si grave. Je sais pas trop. Ok. Voilà. On continue. Ok, normalement, on n'est pas KO. On est brûlé. Ça, c'est la vie. Ok. Il nous reste qui? Qui est censé gagner ce combat? Cutiefly. Super. Super, notre héros, vraiment. Fairy Wine, ça fait quoi sur le type son? C'est très nul. C'est vraiment très nul. Firecracker, ce sera peut-être même mieux. Ouais, c'est nul aussi. Ok, il loupe son attaque, mais le rap va nous faire mal. Ah, j'espère juste. Parce qu'on ne sait pas soigner, j'espère juste qu'il va pas nous faire partir de je sais pas trop où. Ah, notre équipe, elle est nulle, j'aime pas. On a une équipe nulle. Ouais, voilà, c'était pas grave. Et tout le monde, nous sommes là. Espèce d'idiot, je vais pas encore te le dire. Et qu'est-ce qu'il se passe? Sérieusement, c'est quoi ton problème? Ah, ça recommence. Alors, est-ce qu'un peut arrêter ça? Qui s'en occupe? C'est nous? Allez, parente. Alors, on est soigné, mais il y a un problème avec les déplacements des gens. Ok, on va l'empoisonner cette fois. Cette fois, le combat devrait se passer quand même autrement. Ah, j'en reviens pas de notre équipe nulle. Après, oh, le type psy craint le type son, pardon, craint le type psy. Qu'est-ce qu'il faut s'en souvenir? Je sais pas trop pourquoi. Ça, c'est comme ça exactement. Ouais, Borealis, tu vas venir, tu vas gagner le combat, s'il te plaît. La mèche, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, ça devrait le faire. Ah, et électrique. Psy et électrique sur le type son. Attends, qui es-tu? Ben non, je suis en haut. Mais bon sang, mais. Hey, salut. Nous sommes vos nouveaux colocataires. Oui, Clarity m'a parlé de deux de plus.
tu ne voulais pas nous le dire, enfin, ça aurait dérangé de nous le dire. Je ne voulais pas interrompre votre dispute. Mais peu importe, mère, bienvenue à la maison F. Je suis Rilas, comme... Enfin, on s'est déjà rencontré. Ces deux-là, c'est Calvin et Zeke. Yo, enchanté de vous rencontrer. Mon nom est Destiny, et voici Saumon. Donc, nous, où est-ce qu'on va rester exactement? Eh bien... considérant que Clarity a laissé cette chambre ouverte et qu'elle a, elle m'a la donnée comme étant la mienne. Ah non, cette chambre. J'imagine que l'un de vous pourrait partager avec moi. C'est bon, je vais prendre la chambre avec Rilas. J'imagine que tu veux une rechambre pour toi-même. Bien, ça marche. Après tout ce qui est arrivé, j'imagine que je dois encore avoir... Enfin, il me faut encore un peu de temps pour être... Seule avec moi-même, on va dire. Très bien. Saumon, ta chambre est celle qui est juste après la cuisine. Allez, peu importe, je vais au lit. Honnêtement, je pense pas que je vais bien dormir. Je ne veux pas être... Enfin, je pense que je vais bien dormir. Je ne veux pas être fatigué pour mon premier jour. Très bien, bonne nuit à vous trois. Allez, je devrais peut-être aller à ma chambre. Après la cuisine, elle a dit. On sait pas où est la cuisine, de toute façon... Celle-ci ? Je considère que c'est la cuisine ? Ah, ça va être la boîte dont Clarity m'a parlé. Il y a un papier sur le dessus, saumon. À l'intérieur, il y a les trucs basiques d'un étudiant dresseur. S'il te plaît, prends bien soin de cet équipement et utilise-les correctement. Et le badge que j'ai inclus signifie que tu as le rang débutant. Voilà, comme pour tous les étudiants dresseurs. Bonne chance. Ok, 15 Pokéballs, c'est pas mal. Ah, une point card, on va pouvoir voir un peu combien de points on a alors. 10 potions, 1 multi-exp. Merci. Pokégear, ah, c'est beaucoup important. Une fois que vous avez capturé un Pokémon, vous serez capable de voir ses stats, les attaques qu'il peut apprendre et les méthodes d'évolution en scrollant, c'est vrai qu'en français, je sais pas, en faisant défiler la section ADV de son entrée. Le Iron Badge. Enfin, ça fait beaucoup. J'imagine qu'être un dresseur, c'est une grosse affaire. Ah, je peux toujours pas le croire. J'ai sérieusement suivi cette fille tout ce chemin jusqu'ici pour devenir un dresseur Pokémon. Bon, ça ne me donne pas encore la solution à mon problème, mais j'imagine que ça me donne un objectif pour l'instant. Allez, je vais aller un peu dormir, je n'ai aucune idée de ce qui m'attend demain. Ok, on a fini le chapitre 2. Chapitre 3, la première mission. On a un level cap de 14. Bien, je pense que j'irai jusqu'à ce level cap de 14. Ah! Je me sens si confus. Hello ? Saumon ? S'il te plaît, tu m'entends ? Cette voix, elle m'a l'air familière. Saumon, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que tu me dises où tu es. Attends, ma bouche. Pourquoi elle ne bouge pas ? Pourquoi je ne peux pas parler ? S'il te plaît, je perds notre connexion. Je ne peux pas tenir encore très longtemps. Non, attends ! Ah, qu'est-ce qui s'est passé ? Cette voix, qui ? Mais attends, mais quelle heure est-il? Oh, je vais être en retard. Une des principales académies de dresseurs Pokémon de la région. Son objectif est de fournir des étudiants qui ont de l'expérience et qui ont appris ce qu'il faut pour être un dresseur Pokémon. Ok. Ok, ok, première mission. Clarity, te voilà. Enfin, Saumon, te voilà. Tu es en retard, idiot. Désolé. Oh, seulement de quelques minutes, mais ce n'est pas une raison... d'être en retard en fait. Bon, prends, assieds-toi et je vais pouvoir commencer. Très bien, maintenant que vous êtes tous là, il est l'heure de débuter. En tant que dresseur Pokémon, étudiant dresseur Pokémon, vos tâches basiques vont consister à vous aventurer dans les zones, les routes, les villes assez proches et d'assister la population là-bas. Normalement, vous pourriez choisir vos tâches vous-même. Mais puisque aujourd'hui c'est votre premier jour, je les choisirai pour vous. Des questions avant qu'on aille plus loin ? Oui, quand est-ce qu'on est sur les choses amusantes? Les choses amusantes? Tu n'es pas ici pour t'amuser, tu es ici pour travailler, t'entraîner, afin de devenir un grand dresseur un jour. Que je suis clair? Oui. Ok, Calvin et Zeke, ça a l'air d'être deux fous un peu. Bien, maintenant pour vos tâches. Sont moi et Calvin? Ok, on fait équipe avec Calvin. Donc c'est le garçon ou la fille, je suis pas sûr, avec le bonnet à côté de Rilas. Vous deux, vous irez vers une ferme, après la route 3. Ok, on voit où est la route 3. Il y a eu des signalements répétés d'attaques de Pokémon sauvages là-bas. Zeke, Destiny et Rilas, vous trois, vous allez vous rendre à la Forest Caverns, juste en dessous de la route 2, et vous allez enlever les arbres tombés.
On a compris. Yep. Compris. Très bien. Au travail. Ok, donc on va. On est déjà séparés. J'imagine que ça allait arriver à un certain moment. C'est parti du travail, j'imagine. Ok, je vais rattraper les autres. Bonne chance. Ouais, toi aussi. Ok. Ok. Je ferais mieux d'y aller moi aussi. Ok, alors on ira évidemment, mais on a reçu beaucoup de choses. Alors, comment on peut avoir la card point? On a 7 points. Register. Ah mais on peut pas register. Ah ben on peut aussi, on peut tout. On peut mettre, c'est pas un truc à activer. Enfin si, c'est activé une fois, mais c'est pas un truc à utiliser avec select. Ok, il y a du monde. Alors, je vais m'arrêter ici. Je vais les entraîner. C'est possible que j'ai même rajouter un autre Pokémon. En tout cas, je vais les entraîner niveau 14. Franchement, niveau 14. Ok, on peut sortir d'ici. Comment on fait? Ah, mais c'est ici. Ouais, et on reviendra parler un peu à tous ces gens. L'académie, elle est énorme. On viendra leur parler. Ah, elle nous soigne. Tu n'en veux pas, on va faire une affaire. Deux points de dresseur et c'est à toi. Attends, j'ai pas compris. J'ai trouvé ces clés bizarres. Je me demande où est-ce qu'elles vont. Oui, deux points de dresseur. Oui, j'achète avec deux points de dresseur. Ah, c'était une blague. Je ne sais même pas si cette clé ouvre quelque chose. Vous savez le truc du fusil de Chekhov. Si on voit un fusil posé sur une scène, il va être utilisé la scène d'après. Bien, c'est un peu ça. Si on nous parle de ces clés, je pense pas que ça soit pour rien. Je suis sûr qu'elles nous seront utiles à un moment donné. Bien, je sais pas par où on sort. Cette zone est infinie. En tout cas, on va se laisser. C'est juste que j'aurais aimé savoir par où on sort. Bah par ici, je suis bête. C'est bon, c'est ça? Oui. Ok, je voulais juste qu'on fasse vite cette truc de merde là et qu'on passe à la partie vraiment significative de notre entraînement. Donc retrouve-moi à la ferme. Où est cette ferme déjà? Ouais, désolé, je ne suis pas du coin. C'est au sud de la route 3. Et où est la route 3? Au sud de la route 2. Ok, elle a l'air sympa. Je crois pas qu'il m'aime bien. Ok. Bon, on va se laisser ici. Je soignerai. Bon, c'était quand même cool la fin. Dommage, mais ça je pense que c'est ma faute. J'allais dire route un peu longue, mais c'est ma faute. J'ai une équipe un peu naze. Mais là, c'est terminé. Je veux pas avoir cette sensation de ne jamais en finir avec ces trucs. Je vais entraîner tout ça. On verra, il y aura peut-être un nouveau Pokémon. En tout cas, on se laisse. Merci d'avoir suivi cette troisième partie de Pokémon Vanguard. J'espère que ça vous a plu. Puis on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.